si on fait une moyenne pour tous les agents, ça ferait une moyenne de 200 à 300 demandeurs d'emploi par conseiller, à savoir que certains en ont entre 70 et 100 et d'autres à plus de 800. Nous, on pense qu'il faut ramener ce chiffre à 50. Nous, on souhaite que le service public marche véritablement, correctement. On est pour un vrai service public aujourd'hui, qui demande beaucoup d'amélioration, et non pas l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, où on est en train de réduire les horaires, réduire les effectifs. Donc, et également, un autre point sur lequel on est aussi assez opposé, on n'est pas contre le numérique, on est contre le tout numérique. Vous savez parfaitement que le chômage explose, et on n'a pas de postes suffisants pour pouvoir répondre à l'ensemble des attentes des demandeurs d'emploi et pouvoir les recevoir dans les meilleures des conditions. Donc on est en train de développer une offre de services numériques à nouveau pour ne pas les recevoir.